Ouais, je viens ou quoi, tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors là, il y a une rumeur dégueulasse qui est en train de circuler partout sur les réseaux sociaux. Les journalistes commencent à dire que voilà, les résultats ont fuité. Ça y est, c'est Lionel Messi qui va être élu Ballon d'Or. En deuxième, on a Karim Benzema. Et en troisième, on a Lewandowski. Déjà, dans un premier temps, ce classement, je ne suis pas du tout d'accord. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec le fait que Lionel Messi soit Ballon d'Or. Troisièmement, je trouve que c'est un voleur. Voilà, donc le mec, il a eu 7 ou 8 ballons d'or, je sais pas, mais voilà, donc il veut pas s'arrêter, il invite tous les journalistes chez lui, ouais, venez boire un café, venez boire un truc, et puis eux, ils se mettent tous à voter contre eux, pour Lionel Messi, parce que là, l'année dernière, qu'est-ce qu'il a fait à part gagner la Copa América? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a fait plein de passes décisives, oui, il a marqué plein de buts, mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Il a ramené le FC Barcelone, hein? Liga? Non. Ligue des Champions? Non. Coupe du Roi? Non. Rien du tout. Il a gagné uniquement la Copa América. Et ça, c'était son rêve à lui, hein. C'était pas le rêve de tout le monde. Voilà, le plus grand rêve de Messi, c'était gagner un trophée avec son pays. Là, il l'a fait. Et juste pour ça, on va lui donner un ballon d'or. Mais c'est quoi ça? On doit regarder les performances sur toute la saison. Déjà, premièrement, Lewandowski, je comprends pas. C'est lui qui met le plus de buts cette année, hein. On va pas se mentir, sur toute l'année 2021, il a fracassé tous les records. Hein, écoutez-moi, il a fracassé tous les records cette année. C'est le joueur qui met le plus de buts. Normalement, le classement aujourd'hui, c'est soit Lewandowski premier, soit Benzema premier. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, on arrête de tergiverser et de dire n'importe quoi. Parce que Lewandowski, messieurs, dames, voilà, cette année, il n'a pas remporté la Ligue des Champions, mais l'année dernière, il a remporté la Ligue des Champions. Ils l'ont quand même volé le ballon d'or. Ils lui ont dit, ouais, non, cette année, on ne peut pas offrir un ballon d'or, je ne sais pas quoi. Les trucs ne sont pas réunis, les trucs de sécurité ne sont pas réunis pour qu'on puisse t'offrir un ballon d'or. Vous auriez pu lui envoyer ça par la poste, hein? Vous envoyez ça chez lui, vous filmez tout, voilà, nous venons remettre le ballon d'or chez Lewandowski, ça aurait pu être une bonne idée. Mais vous êtes là, vous dites non, Lewandowski, on ne peut pas te le donner, on verra l'année prochaine, et l'année prochaine, vous donnez ça à Messi. Parce qu'il a remporté un petit trophée. Non mais arrêtez, arrêtez, arrêtons. Hein? Lewandowski, qu'est-ce qu'il n'a pas gagné avec le Bayern là, depuis ces 2 dernières années? Hein? Benzema, il est en train de réaliser une saison incroyable. L'année dernière, il a fait une très très bonne saison. Et il est pas. Vous voulez pas lui donner le ballon d'or. Hein? Il gagne la nouvelle coupe, New Coupe, une coupe qui a même pas 2 ans, on la remporte. Hein? Et vous voulez toujours pas lui donner le ballon d'or. Moi, déjà, je tiens à dire que les dés sont pipés directement par rapport au Ballon d'Or. De toute façon, c'est comme ça, chaque année, on est tout le temps déçu, soit par le classement, soit par celui qui a le Ballon d'Or. Parce que c'est des journalistes qui notent, eux, ils ont jamais joué au foot, ils jouent au foot le dimanche, et puis ils font des articles, et puis ils disent, voilà, Messi, vu qu'il nous fait vendre plein d'articles, on va voter pour lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste pour ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de ouais, ils ont regardé tous les matchs ou je sais pas quoi. C'est juste que voilà, ah, mais si, il m'a accordé une interview, l'autre, il m'a pas accordé d'interview. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. C'est n'importe quoi. Parce que si vous regardiez le foot, hein, jamais de la vie, jamais de la vie, avec le début de saison que Lionel Messi est en train de faire, vous le mettez Ballon d'Or. Jamais de la vie. Hein? Au grand jamais. Bande de voleurs.